What is important is Mark Mejo, ladies and gentlemen, is that the Boeing CMR 0001, the calling name for the presidential aircraft of Cameroon, has touched down the tarmac of the Simbalay International Airport. That was at exactly 4:37 p.m. from Geneva. And voilà, so President Paul Biya is out of the plane. En image, une image qui vaut 1000 mots, le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismaël Mejo, let us allow our viewers to have a feel of what is happening. C'est l'image du jour. No comments. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture, on peut voir cette attitude maternelle, on peut deviner le rôle important, prépondérant, qu'elle joue aux côtés de son illustre époux, et à travers sa mine enjouée, on peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Definitely, this is not a phantom. This is a human being. He is alive, hale and hearty. He's having a very lengthy conversation with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, to get the sense of the pulse of the nation. And the president now is done with the Secretary General. He has now moved into his limousine. You could see from the pictures, it confirms what Ibrahim Sherif said at the beginning of their commentary about the president's physical form, about Madame Chantal Biya's physical form. Et une gestuelle du président de la République qui est dénuée de toute vulgarité. Ça, c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exubérant. Ses gestes sont centrés sur l'essentiel. Eh bien, voilà l'image sans doute que tout le peuple camerounais attendait, même les amis du Cameroun qui s'étonnaient encore. On a échangé avec quelques hauts diplomates qui s'étonnaient de cette ivresse de liberté qui gagne parfois nos compatriotes au point de créer autant de fantasmes, autant de spéculer, autant sur des ivresses. You can see the window of the car is already wind down, an indication that President Obama is going to wave at the crowd of CPDM supporters and Cameroonians who have gathered here at the airport to say welcome. That is the president. À l'esplanade arrière de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, eh bien là, il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Eh bien, point besoin de dessin pour vous dire que la température est montée ici d'un cran. Le président de la République et la première dame, vitre baissée, eh bien, qui entre donc en totale communion avec le peuple camerounais, représenté ici dans toutes les catégories sociales, dans toutes les composantes sociologiques. It is mission accomplished for these Cameroonians who are here. Just with a wave from the President of the Republic, it is mission accomplished for them, because that is what many of them were waiting for. And of course, it is going to repeat itself when the President will drive through the streets of Yaoundé. On croit revivre le scénario du 6 novembre 1982. Le président de la République qui est donc escorté par cette foule de militants jusqu'à la sortie de cet aéroport. Eh bien, c'est le premier test, c'est le premier baromètre de popularité. Ce n'est pas le seul, parce que tout à l'heure, à pratiquement tous les carrefours, et déjà, nous annonçons que dans quelques minutes, nous allons passer l'antenne à Aimé Robert Biyina et Benen Boumagana, qui sont donc à bord de la Nouria, qui donc va nous permettre de vivre en direct sur la CRTV d'autres grands moments de ce retour au bercail de Paul et Chantal Biya. Là,
vous l'avez vu, on l'a tous vu en direct sur la CIR TV, on l'a vu de par le monde, mais également avec les riverains de Simalène qui ont eu. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le cortège présidentiel a déjà mis le cap sur le centre-ville de Yaoundé où des grappes humaines enthousiastes.